Oh putain, on a pas de signal. Déjà, ça commence mal. Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est Poli? Paumé, merci, ça donne. Max, bon, on est paumé. Non, on est quelque part, dans quoi? C'est ça, donc, paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils ça vous swing. Seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe. Oh non, des QTE qui vous demandera d'agir non. juste au bon moment. Attention, Hackett Squad peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. J'avais pas d'option pour les sous-titres, les gars. J'avais pas d'option. Je verrai en jeu. Bravo, chérie. Joli réflexe. Merci. Oh, non, j'aurais dû le laisser tomber. À chaque fois, il teste un peu ton pouvoir. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Non, non, j'aurais jamais dû le rattraper. Au début, il faut toujours faire semblant d'être vraiment nul. 300 km, hein. Ouais. Tu sais, Max, c'est pas grave. Ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ce rivage, les États-Unis n'existeraient pas. J'ai envie de faire pause, voir s'il y a des sous-titres, mais j'ai peur que ça guide tout. Je le tente. Non, y a pas. Ah, paramètres, attends. Ah, attendez, peut-être que là je vais trouver les trucs. Sous-titres, ok, let's go. Sous-titres pour sourds et malentendants, ça change quoi par rapport aux sous-titres normaux? Ah, c'est du coup, y a marqué musique quand y a de la musique ou les trucs comme ça, c'est ça? Merci Johan pour le prime, merci beaucoup. Oui? C'est utile, genre? Vas-y, je mets, on s'en fout, ça nous change rien, nous. Ici, je mets en taille moyenne. Je mets pas de soucis, pas de trucs en fond, c'est trop moche. Nom du personnage, ça je mets. C'est bien même pour moi. Même pour moi, c'est bien. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Je crois que c'est pour les gens... j'avais vu, je sais pas quand. Je crois que c'est pour les dyslexiques ou un truc comme ça, en mode... c'est plus simple à lire. Les sous-titres comme ça, pour les gens qui ont des problèmes avec les lettres. Je crois. Plus petit, s'il te plaît. Non, c'est bien, là. C'est juste que là, c'est au milieu de l'écran. Tout à l'heure, ça sera pas là. Non, remarque, là, c'est bien aussi, en fait. Je sais pas. Vous préférez gros ou petit, les gars? Genre... Comme ça ou comme ça? Je m'en rends pas compte. Petit, peut-être. Ouais, vas-y, je mets petit. Ok. Vas-y, je laisse comme ça, le reste c'est bien. Et je mets ce truc là, comme ça tout le monde est content. Les dyslexiques, les sourds, les muets, les aveugles. On a pour tous les goûts sur mon live, c'est parfait. Merci Dakota pour le sub, merci beaucoup. Ok. Graphisme, je veux juste être sûr que je suis en ultra. Oh, j'ai fait quoi? J'ai fait une connerie. Non, ok, sans bordure, c'est parfait. Ok, je mets tout à fond. Pas de limitation d'FPS. Voilà, là on va être sur quelque chose de bien déjà. Et je pense qu'on est bon. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont... Merci Ryan. Ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, la force okay, te soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Je me suis trompé apparemment. J'ai mis profondeur de champ standard. Putain de merde. Merci Ryan et merci Alexis. Ok, c'est bon. C'est bon, là on est en full ultra. Il y a plus rien là. Là on est sur du magnifique. Prendre la brochure ou prendre la carte? La brochure, je lui fais confiance. Il a dit qu'il n'était pas perdu. Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux feu de camp. Ok, il est vraiment perdu.
Génial. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Le PC en mode chauffage. Eh, hey, c'est un PC à 4800 ou 4500 balles, hein. Regarde la route, s'il te plaît. Ouais. Mais attends, c'était quelqu'un en boule au milieu de la route, là. J'ai juré. J'ai vu. C'est bon, j'ai esquivé. Je suis un putain de pilote. Ok, on aurait pu déjà mourir là. N'oubliez pas, pas de spoil, pas de backseat, sauf si je demande. Sinon c'est ban et il faudra pas faire de caca nerveux après. Ça sera un ban def. Tu vas bien? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? C'était un homme, hein? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Non, on l'a pas touché. Pas, on est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas... Je sais pas. Comment ça, tout le monde a vu une meuf sur la plage arrière, là? Moi, j'ai pas vu. La voiture est foutue. Mais on a... Comment ça foutu? On a rien tapé. C'est peut-être pas si grave que ça. Elle est pas foutue, arrête de mentir. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre? Ouais, bouge pas. Je vais arrêter de regarder le chat. Je me concentre. J'ai loupé des trucs importants déjà. Salut Nasty. C'est grave. Ma mère va me tuer. Mais on a rien tapé, la voiture peut pas être cassée, on a juste roulé dans la terre. C'est quoi cette merde? Ma mère va me tuer. J'ai loupé 30 minutes, non, ça vient vraiment de commencer. Là on est un couple qui est perdu en voiture au milieu de la forêt. Et on a failli avoir un accident, on s'est foutu dans la merde parce qu'on a esquivé un gars qui était au milieu de la route en boule. Je fouine. T'en vois rien, c'est tellement sombre. Et oui, c'est un jeu un peu horreur. Max, pourquoi tu m'as rien dit? Qu'est-ce qu'il a, Max? Ok, on a la boîte à outils, on y va. Je vais voir si je peux vous mettre plus de luminosité en speed. J'en ai pour 2 secondes, les gars, mais... Parce que je sais que sur les jeux comme ça, c'est souvent on n'y voit rien. Et quand on regarde un live, en général, c'est plus sombre que ce que c'est réellement. Donc au moins, vous serez un peu mieux. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Ah, y a quelqu'un essoufflé qui nous regarde, let's go. Ça m'est super bien, ça. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Je vais aller le voir. Non, j'ai peur en vrai, j'y vais pas. Ah bah je peux pas, super. Ah mais c'est une dame en tenue là. En petite... c'est la dame blanche. Y'a quelqu'un là. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, non mais Laura. Reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Me laisse pas tout seul. Insoumission, obéissance. Tu n'es pas ma mère. Obéissance. Allez, Max, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. J'espère qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversée? Je veux juste vérifier. Ok, d'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudent. Ouais. Non, viens avec nous, Max. Okay. Ouais, ou donne-moi la main, voilà, parfait. Parfait, donne-moi la main. J'ai pas envie d'aller tout seul.
Allez, hop, on se donne la main, on y va. Super. Ok. Bonne chance à toi. Non, 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 il me laisse. Oh là là, les problèmes. T'as pas mis tes subs à zéro? Si, j'ai mis. Ok, bon, il y a ailleurs par là. Quelle idée de partir toute seule dans le... dans la forêt, genre. Un show de magicien. Pourquoi c'est affiché au milieu d'une forêt, genre? L'affiche d'un spectacle itinérant, elle semble être là depuis longtemps. Ok, bon, aucune idée de ce que ça fout dans les bois. Je me casse. C'est toujours mauvaise idée d'être seul. Non mais d'autant plus dans la forêt, genre. Qui fait ça en vrai? Tiens, je vais me barrer tout seul dans la forêt. En pleine nuit. Coffre de roi de l'évasion. C'est quoi ce truc? Un coffre rempli d'étranges dispositifs. Celui d'un roi de l'évasion peut-être. Vestige d'un spectacle itinérant. Ah ok, on est sur un endroit où il y avait un spectacle itinérant à un moment. Prends les menottes ou quoi, non? Comme ça on menotte la dame qui fait peur. Non? Ok, d'ac. J'éclaire partout, voir si je vois quelque chose. Il va y avoir un truc. J'ai peur. Je le... Oh, je suis. Il y a quelqu'un, il y a une dame. Allez, on part. C'est qui Silas? Elle joue à League of Legends, elle est matrixée de fou. En fait, la dame, c'est Sardoche. Je sens qu'elle va mult là. Faites que j'ai un Zonia. J'ai peur les gars, j'ai peur. Je le sens pas là. Allez, on court. Très bien, vas-y, cours, je veux pas rester là, moi. Pas un QTE. I-A-B-X-Y. C'est bon, je me rappelle. Peut-être pas. Ok, si c'est des QTE au joystick, moi je vais être le roi, hein. C'est trop facile, ça. Parle-moi. Il y a une dame. Il y avait quelque chose là-bas. Il y avait... J'entends des bruits tout autour chérie, de moi. Chérie, respire, tout va bien. C'est la forêt. Non, c'est pas la forêt. Il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non, c'était une dame. On peut s'en aller, oui, s'il te plaît. Oui, on y va. Okay. Super, allez, on se casse. C'est quoi un QTE? Clique très... extrêmement vite. En gros, il y a un truc apparaît, faut cliquer vite, sinon ouais, t'es perso... Ça. Sinon, elle c'est la merde. Comme un chat. Max, allez. T'inquiète, on dégage d'ici. Dis-moi que tu te fous de ma gueule. Oh non, on est embourbé. J'ai juste... laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte, Max. Ah, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît, j'essaie de nous sortir d'ici, mais arrête, c'est... Arrête, putain. Merde, excuse-moi, chérie. Bah j'avoue, elle casse la tête, là. Tu crois qu'on fait exprès d'être enlisé, là? Tout va bien. On est en sécurité. Il va se passer un truc. Putain, merde. Oh, putain.
C'est qui lui? Il fait peur. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Il est totalement flippant. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Qu'est-ce qu'il branle dans la forêt, lui? Il nous pousse? Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Honnête. Honnête? Pourquoi? Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... on s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites? Il fait trop peur! Il est bizarre! Je fais genre un animal. Un animal. Vous savez, c'est juste... je sais pas quel animal, ça s'est passé vite et... Ouais. Pourquoi il a du sang dans le cou? C'est sûrement un chevreuil. Monsieur? Vous avez du sang dans le cou. Laissez tourner le moteur. Monsieur? Il a du sang dans le cou. Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Il est bizarre. Il nous aide, mais pourquoi il y a du sang dans le cou? C'est trop chelou. Allez, merci monsieur, au revoir, on décroche. Ça a l'air d'être un vrai shérif, hein. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On se rend encore. Vas-y, je suis amical. J'ai on pas envie qu'il me démarre. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance? Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez? Et puis ils sont au courant. On a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Ok, il a l'air normal pour finir. Juste avec du sang. Normal avec du sang. Il fait peur, putain. C'est trop bien fait. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Ah. Pas ce soir. Ok. Pourquoi? Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous? Bah pourquoi? On peut faire ce qu'on veut. Bah pourquoi? J'insiste. Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett Squarry? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Mais il a un problème, lui. Monsieur, je comprends pas, où est le problème? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi? Pourquoi? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame, je vous demande de bien vouloir sortir oh, du véhicule. Oh putain, j'aurais dû dire oui. Je vais vous montrer l'itinéraire sur votre carte. Ah, peut-être que je vais mieux comprendre quand je vais... comprendre, pardon, comprendre. Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. Attends, il va me faire une dingue, ça. Pourquoi? C'est trop bizarre. C'est bon, je m'en occupe. D'accord. Ça se trouve, c'était lui qui était à poil en boule au milieu de la route. Ok. Alors, on est... à peu près là. Il est trop glauque. Pourquoi il a du on mascara d'un coup? Il s'est passé quoi? Et ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà? Eh bien... je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Mais attends, mais pourquoi on peut pas aller où on veut? Il a quoi, lui? Il a un problème, en vrai. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Attention au nid de poule. Vous voulez une déposition? Passez une bonne soirée.
Attends, je vais fermer cette fenêtre, ça me pète les couilles le bruit des trains. Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Soulagement. Vas-y, on va pas s'embrouiller, ça va nous foutre la merde. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là, tu crois que c'était du sang ? Oui, on est d'accord, il y avait du sang. C'était un plaisir. Ah merde. Mais elle a déjà oublié qu'elle a vu la Dame Blanche il y a 2 minutes, elle ? Très bien. On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Et il attend quoi pour partir ? Aventure dans les bois pour ce soir. Merci bien. C'est clair. Alors où est le motel ? Ok, bon, on est ici et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. Putain, ça me gratte l'œil. Allez, partez. À Kate's Quarry. Comment t'as fait ? Je sais pas. Je me suis arrangée pour qu'il me. T'as assuré ? T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel ? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant ? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok ? Ravi de l'entendre. Putain, je sens qu'on a flippé pour rien, qu'il était pas si méchant, non, le flic, et qu'on va se mettre dans la si merde, là. Si il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. On aurait rien Sérieux, fait du tout, Laura. J'ai l'air d'être une madame ? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Quoi ? Bah, 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Ok, ok, jusqu'ici, tout va bien pour finir. Attends, il y a eu une pub. Attendez, attendez, s'il y a eu une pub, j'attends. J'attends qu'ils reviennent de la pub. Ça va vous, les amis, pour le moment, ça a l'air bien le jeu ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, du jeu ? C'est fini. Ok, super, let's go. Hop là, top. On en parlera plus tard. Ah, on arrive à Kate's Quarry. Ok. Re les gars, re. Mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change. Oh putain. On aurait dû aller au motel. Eh oh ! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir ? Merci Nance pour le Prime. Il y a clairement quelqu'un. Merci ici. Beaucoup. Ouais, et merci Itz pour le sub, bienvenue. Pourquoi y aurait une épave ? Merci pour votre soutien. Dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. On va au motel ou on dort dans la caisse, là ? Patience, Vince. Y'a quelqu'un, ici ? Je sens que le shérif, il va finir par revenir ou quoi ? Merde. C'est fermé, hein. Mais il fait quoi ? Il se casse, Max ? Merci, Nisco ! Max, tu prends le quoi ? Pars pas tout seul. Je t'en conjure, pars pas tout seul, j'ai peur. Je vais quand même regarder ce que c'est le truc qui brille là, mais après tu m'attends. Ok, une grande map. Ok, on est jusque là, juste là. What doesn't kill you make you stronger. Nanan, il y avait marqué ça, ils doivent bien aimer la musique, je pense. Merci Maeva pour le Prime. Moi aussi j'aime bien cette musique en vrai. Allez, arrête de faire le con. Je vais aller le voir. Sinon il y a une porte là-bas. Eh, hey, t'es prête à y aller ? Ça prête à y aller. Il veut vraiment qu'on parte. Il y a une porte là-bas.
Je vais juste regarder la porte avant de faire quoi que ce soit. Ça a une gueule de porte qui va être ouverte. Les gars, ça a vraiment une gueule de porte ouverte là, j'ai... Je le sens pas. C'était quoi, j'ai pas vu. Mais c'est le monsieur qui était tout nu dans la rue, sur la route. Hé, vous allez bien? Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Quelle idée, tu vas pas chercher de l'aide Max pour un mec qui est tout nu là? Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Tu crois que c'est monsieur Hackett? Je sais pas, je... Apporte des outils, on doit casser le cadenas. Mais quelle idée de merde! Hé, je suis là! On va vous sortir d'ici! Non, on va pas le sortir d'ici! Ça va être le monstre, le méchant du truc! C'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils! Pourquoi t'as pas amené là? Il y a quelqu'un en bas! Je vois personne là. Il va se prendre un tournevis dans l'œil là! Rien. Paf! Laisse-moi voir! Ils me font peur! Sortez votre œil de là, bordel! Y'a rien, allez, on part! Y'avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, bon. J'ai peur de voir un truc arriver dans l'oreille d'un coup. Bah le marteau. Qu'est-ce qu'on va prendre avec une clé à molette? T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Bah on s'en fout. Et alors quelqu'un est enfermé? Ouais, on s'en fout du bruit. Ah mais peut-être que du coup le shérif il va nous entendre. Oh non, le shérif va nous avoir entendu, c'est sûr. J'aurais dû prendre l'autre truc, je pense. Quoique, peut-être que le shérif va venir et il pourra nous aider après parce qu'il aura entendu du bruit en fait. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Fallait pas faire ça, je le sens. Non, justement, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont tout fait pour qu'on croie que le shérif était méchant, mais je pense que c'est celui qui va venir nous aider à la fin. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont tarés, ma parole! Vous êtes blessé? Vous existez? Pas mal, j'aime bien. Réparti sympa là. Hé, fais attention. Mais quelle idée d'aller là? Il y avait un gars accroupi tout nu, elle l'a vu, il est plus là, genre c'est qu'il veut pas être aidé en fait. Laisse-le! Bah je vais pas y aller, non, demi-tour. Tu fais quoi? Rien, je regarde un peu, c'est tout. Non, viens avec moi. Ok, il a pas l'air de vouloir. Et pourquoi il bruite pas même? Collier ensanglanté. Bah attends, et l'autre il avait du sang sur le cou, c'était le collier du shérif peut-être? What the fuck? Max? Max, on va aller à l'hôtel. Mais Max, il s'en branle les couilles là? Il fait quoi Max? Oh Max, mon ref, je t'ai appelé là. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh? Elle va pas lui dire, il y a un cadavre là. Okay. Enfin, il y a des restes. Allons au motel, on reviendra demain matin oui à la première heure. Et j'aime on va lui fouiller tranquille, mais. Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. On va être enfermé. Notre imagination. Oh non! Max non, Max! Oh non, il voulait partir moi aussi! Max! Oh merde! Merde, Max! Max, tu vois, c'était pas l'imagination, on se casse! Max! C'est du sang. Aide-moi. Oh merde, Max! Tu pleures beaucoup de sang, en fait. Non, t'es pas blessé, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Aidez Max, abandonnez Max. Bah on aide Max, c'est notre mec.
va pas abandonner notre mec. Allez, viens, dépêche-toi. Chemin choisi. Bah oui, je vais pas laisser mon mec. Cours, bah bien sûr que non. Dans la vraie vie, là, il y a ma meuf qui est par terre qui me fait « Secours, aide-moi !» Mais bien sûr que je pars pas. Soyez logique. No more, Max. Non, arrêtez, jamais j'abandonnerai Max. Allez, viens, chérie. Oh putain! Putain, et on a fait du bruit, il est venu du coup! Oh non! Il était pas gentil! Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Ok, ça commence mal là. Il voulait nous protéger. Oh putain. Ok, ça commence comme ça, ok chat, ok. Oui, j'ai mis le mode streamer, et c'est déjà bien comme musique. Bon bah les gars, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Putain de merde. Déjà deux morts au compteur, non, une seule, mais c'est pas de notre faute. On va se réveiller dans une cave là, ou un truc chelou, non? Il va avoir la voix off de d'habitude. Bonjour à tous et bienvenue. Bonsoir à vous. Ah, c'est elle du coup, bienvenue cette fois. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais. Oui. Merci Blood. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Merci mille fois. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui, et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Eh non, c'est plus le vieux monsieur. C'est fini. Mais elle est stylée, ouais. Vous n'avez rien trouvé et en retour, je n'ai rien à vous montrer. Cherchez un peu mieux. Les cartes vous attendent. Si vous ne m'aidez pas, comment pourrais-je vous aider? Nous sommes du même côté, et vous le savez bien. Cherchez mieux, vous seuls les trouverez. Donc c'est la dame de la forêt, et c'est la conteuse de notre histoire. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue merci Zoulou pas, nous rend merci gros beau gosse. Ouais, il faut fouiller pour qu'elle puisse nous donner des indications sur les choix à prendre. Les yeux sont grave bizarres, ouais, ils sont fuyants et tout. Parfois, il y en a, ils ont des mimiques bizarres, je trouve. Bon, on a fini le prologue. Avec moi! C'est une super musique pour se balader dans la forêt! T'avais le choix d'aller au motel ou pas? Je pense que dans tous les cas, on faisait semblant d'y aller et après on n'y allait pas. On vous aime. Te revois bientôt.
Ouais, Hackett Squarry déchire tout. Ça a l'air d'être plein de nouveaux personnages. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantipocalypse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils s'en remettront, on ne sait jamais. Cynique. Ouais, mais c'est juste... C'est juste des gamins. Je crois qu'ils s'en remettront. Ouais, bien dit. Comme tu te remettras d'Emma. Ah, merde. Hein, mais non, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas pour ça que t'es énervé? Je suis pas énervé. Merci, Clausion. Je veux dire, c'était notre dernière nuit ensemble, et ça va. Mais oui, ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des câlinos. Oh putain, t'as entendu? Tu veux rire? Les murs du cabanon font toujours des bruits chelous. Ok, j'ai compris. Arrête, lâche-moi. Salut Emma. Salut. Ok, ça c'est... Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Ok, faut ramasser toutes les merdes qui sont dans la voiture. Allez, les sacs, Jacob. Oh, elle parle trop mal. Ah putain, mais je croyais que c'était ceux-là de sacs qu'il fallait, moi. Ils sont où, les sacs? J'ai pas suivi, là. Merde. Bon, bah attends, je vais me balader. Eh, hey, mon pote, ça va? Qu'est-ce qui se passe? D'après les infos du journal local, le North Carolina... Hé, qu'est-ce que t'écoutes? Un podcast sur les profs. Intéressant. Ok, ok, c'est top, tip top. Du coup, on est animateur en fait là, dans le truc. On est animateur de colonie. On dirait mon ancien taf. Il est très beau le jeu par contre, hein. Je sais pas ce que vous en dites les gars, mais j'ai l'impression de jouer à un film là. Les gars, je vous fais des l'encadrage et tout. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas où ils sont les sacs de merde là. En plus, elle parle trop mal. Je vais aller la voir, je vais m'énerver. Les sacs sont peut-être là-haut, ouais. C'est pas vrai. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas. Il me reste des sacs je à descendre, ce sérieux. C'est pas de ma faute. Bâtard. Dylan, arrête. Désolé. Cool, merci les gars. Putain, mais y a que des enfoirés avec moi. Je sais pas où ils sont les putains de sacs. Ok, y a R. L'autre côté, il y aura rien non plus. J'ai dû louper un truc dans la voiture, non? Je sais pas où ils sont. Hackett's Quarry, Summer Camp, East, 1953. J'ai la flemme de réfléchir à comment on dit 1953 en anglais. 1000. Attends, comment on dit? 1953. C'est ça? Je crois que oui. 1953. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. GG, ok, ok, merci, merci. 1953. 19, c'est 90, non? Cool. Non, c'est pas 19. C'est 900, non? Ah, normalement, ça se dit, tu dis 19. 1953, ok, ok. Mais vas-y, ce que j'ai dit, ça marche, non? On dit 19 plus 53. Vas-y, moi, j'y crois, mon truc. J'y crois, mon truc, je vous dis la vérité, je pense que j'étais dans le juste. Ah, l'horreur. Je déteste l'horreur. Les dates, c'est 19 plus 53. Ok, mais allez vous faire foutre aussi. C'est bon, plein le cul, plein le cul. Vous êtes tous profs d'anglais, c'est ça? Bien sûr. Bah, sebez-vous si vous êtes prof d'anglais, si vous êtes si fort en anglais que ça. Pour le prouver. Avec Prime, par exemple. Et je dis pas ça pour forcer, vous me connaissez, hein. Bon, du coup, j'ai pas pris de sac, je sais pas trop ce que je fous là. Plus sérieusement. Bah, par contre, l'endroit, il est stylé, hein. Les rayons lumineux et tout, c'est magnifique.
Bon, mon ref, qu'est-ce qui se passe? Ok, sérieusement, vous avez fermé? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et... Mais ils louchent tous! Deux, c'était super marrant. Ah non, c'est pas marrant. Ok, ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas? Nah, faut que j'attende ici que Monsieur H nous rende nos portables. Désolé. Je le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués? Bah, apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est Monsieur H qui le dit, hein, pas moi. Ah, super. Super. Mais ils sont où, les putains de sacs? Elles m'attendent plus une heure pour descendre des putains de sacs. Je sais pas où ils sont, j'en ai aucune idée, genre. Alors peut-être? C'est toi, Dylan? Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob. J'insiste. Il me répond plus. J'ai une bonne tête, j'aime bien mon perso. Il a l'air gentil de ouf, on voit rien. Ok, il y a R. Mais mec, faut que j'aille où? Bordel de merde, ils sont où les sacs? Faut pas sortir les sacs de la voiture? Ben non, j'ai essayé, j'ai cliqué sur le truc et elle m'a dit « Oh, t'attends quoi, je sais pas quoi ?» Du coup, je sais pas pourquoi elle... Enfin, je sais pas ce qu'elle attend du coup, en fait. Je capte pas. On peut pas marcher plus vite? J'ai pas l'impression. Mec, y a pas de sac, hein. À tous les coups, il faut prendre les sacs dans la voiture, je sais pas. Il fallait peut-être que je clique ailleurs sur la voiture. Bon, au moins, on a fait un tour du propriétaire. C'est pas une si mauvaise chose. Vu que depuis tout à l'heure, vous me dites, fais le tour du propriétaire, c'est quoi, c'est bien. Là, au moins, ça a été fait. Mais mec... Y'a pas des sacs par terre, genre? Non, y'a rien. Jacob, aller en haut, prendre sac. Kathleen, reprendre le cours de sa vie. Ok, donc c'est en haut. Mais putain, mais c'est pas possible, ils sont où? Kathleen, tu me casses les couilles. Je sais pas où c'est, bordel. Y'a pas de putain de sac, là. Ouais, elle m'a parlé comme un golem, mais bref. Allez en haut, prendre sac. Escalier, Linka. Mais je les vois pas. Comment vous avez vu? Ah, ça, c'est des sacs. Putain de merde, ok. Oui! Enfin, putain, on est libre! On est libre, on est libre. Allez, tiens, tes sacs de merde, Kathleen, qui nous cassent les couilles. Bon. J'ai les sacs. Cool. Et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. Merci, Juno. Merci beaucoup. Sans pitié. Bah, au moins, je suis honnête. Ah. Oh. Ok. J'avoue, j'ai vraiment demandé à tous mes potes pour descendre deux putains de sacs. Tu m'as raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Ouais, t'inquiète, je fouille. Et toi alors? Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein. Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh là là, la beauf. Pardon, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi. Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan, le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Je l'aime bien. Je vais être malicieux, je vais pas être méchant. Ah, sexy, hein? C'est le plus beau gosse du camp. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi, ah, tout bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby. Ok. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout, tout le monde y est. Alors elle t'a juste largué comme ça? Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre, Jacob... Elle t'a fait le regard... Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça?
Résigné. Courageux. Résigné. Je vais m'arrêter. Ok, tu sais quoi? T'as peut-être raison. Peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi, mais je vais te dire. Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas dans le déni. Oh, check. Ok. Elle est insupportable. Wow, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Donc, excuse-moi. Je dis juste que peut-être que certaines filles ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça? Encourageant, confiant. Vas-y, encourageant, va voir l'autre. C'est juste que je piche pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment on saisit une chance qui se présente pas? Mais faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Y a moyen d'augmenter bien le son sûr. Je lui pense pas. Après tout l'été comme une chaîne. Attends, chaleur, je regarde après la truc. Le dernier jour des vacances. Ok. Tu me manqueras pas, Kathleen. Parce que je vois pas pourquoi le son il serait baissé de base. Genre y a aucune chance, je pense. Non, c'est déjà à fond. Du coup, non, il n'y a pas moyen. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil, il y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, hey, ce qui ne te tue pas te rend plus bof, fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué, encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, hey, lâche-moi. ok, donc... C'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, quelqu'un l'a fait pour nous. Et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob... T'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. Ouais. Je sais. On verra bien ce que ça donne. Couper l'arrivée de carburant ou prendre le doigt d'allumeur. Je prends le doigt d'allumeur, au moins je peux le remettre. Si tu coupes l'arrivée de carburant, après t'es dans la merde pour de vrai, je pense, s'il y a besoin de fuir. Là, au moins, c'est pas irréversible. Tu viens avec moi, mon pote. Voilà, ça, je pourrais le remettre. Je le remets à ta place demain. Voilà, nickel. Ni vu, ni connu. Hé, les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, hey, Jacob. Non, mec. Non, fais pas ça. Passe longue. Oh. Nick. Mais c'est quoi, ces trous de balles? Boum! Oh. Ok, allez. Je sens que j'aurais pu avoir mon téléphone pété et me retrouver vraiment dans la merde. Oh. Hey, oh là, il arrive quoi? Calme-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur, qui fait ça? Quand même, yes! Un petit peu portable. Tu te remets jamais en question, en fait. Y a personne fait ça, il a un problème. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. Ouais, il a raison, lui. J'aime bien. Bien sûr que... se faire larguer soit une urgence. Bim. Vas-y, mon gavé déjà les deux trous de balles, là. Ta gueule, pauvre con. Voilà, ta gueule, pauvre con. Ta gueule, pauvre con. Excuse-moi. C'était une blague, je vous parle. C'est venu tellement du cœur. Bon, vous êtes prêts à bouger? Ta gueule, pauvre con. Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Ok, on va avoir deux histoires entrecoupées, vous croyez? On va revenir là sur la meuf qui s'est fait piquer dans le cou? Ok, je pense que non. C'est qui elle? J'ai pas vu, c'était marqué. C'est peut-être notre meuf.
Je pense que c'est Emma, ouais. Coucou, vieux hibou. Ah non, alors, c'est... on en est où? Ok, Emma, c'est elle, et l'autre, c'est Abigail. Enfin, foutu le camp. Merci, Eda, pour le prime. En haut. J'ai réussi un check, let's go. Tu vas récupérer ton portable. Merci beaucoup, Yeda. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Laisser les sacs ou entrer par effraction? On va pas laisser nos sacs. On rentre par effraction. Ok. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Sinon, on pouvait peut-être juste demander. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. Ah, ils veulent tout casser carrément. Moi, je pensais juste ouvrir alors qu'on n'avait pas le droit. Mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Oh, ma. Les problèmes commencent. Ok. Après, ça se trouve, il y a des trucs de fou dans notre sac. Trop important pour la suite. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça le pouvoir de la position. Dis-moi que dans ton sac il y a des trucs hyper importants là. Je sens qu'on va avoir besoin. T'as un couteau ou un truc? T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Ok, j'avoue, la porte elle est même pas cassée. Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y, fais ton tour. C'est stylé l'endroit par contre, hein, vraiment. Y'a pas des indications là? Genre on peut pas trouver un truc pour la voyante après? Qu'elle nous dise « Oh là, il va se passer ça à tel moment !» Ces ressorts pourris vont me manquer. Tu parles toute seule. Freak Show. Oh! Un article sur ce lieu paumé. C'est l'affiche qu'on avait vue dans la forêt. Ok, je pense qu'il y a rien d'autre en vrai. Je vais regarder les deux côtés mais... Ok, là il y a R. Oh, c'est la peluche Dizzy. Je veux jouer à un jeu. Ah, c'est glauque. Je déteste les jouets qui parlent. Je le garde. Je le garde, on pourra faire... Je me dis, on pourra distraire quelqu'un avec ça. Ou alors, ça va se déclencher tout seul et ça va nous faire... on va se faire repérer. Aïe, je pense que j'ai fait une erreur. Oh mon dieu, je me suis dit vas-y, on l'active et on le jette, ça attirera quelqu'un. Mais là je sens qu'en fait ça va faire l'effet inverse et il va se déclencher quand on sera caché de quelqu'un qui voudra nous tuer. Je le sens pas. C'est quoi le but du jeu, il parle de quoi? On sait pas encore. Le but du jeu, comme tous les jeux du style, c'est de faire survivre le plus de personnages possible. C'est un jeu d'horreur. Les dessins sont... les graphismes sont trop beaux, hein. Mes cheveux qui bougent dans le vent et tout. C'est magnifique. J'aime vraiment bien. Je sais pas où faut que j'aille, en fait. Je vais regarder si les portes, elles sont ouvertes. Je pense pas, mais bon. Ok, non. Ah, c'est ma copine là-bas. Vas-y, j'y vais. Pour le son, tu penses que tu peux baisser un peu le son de ta voix? Comme ça, nous, on augmente nos ordis. Et on peut autant entendre de façon égalisée ou trop galère. Mais pourquoi c'est à ce point-là, la différence, genre? En plus, non, si je baisse le son de... Non, je peux pas en plus. Je peux pas. Si je baisse le son de mon micro, ça baisse le son du jeu. Il y en a qui se plaignent. Ben, on les laisse se plaindre, c'est pas grave. Putain, j'ai peur de pas avoir assez fouillé. Je fais un petit tour. C'est dommage qu'on puisse pas courir. Non, mais vas-y. Tout est fermé. Il y avait juste notre chalet. Notre chalet, c'est le seul qui est ouvert. Il n'y en a aucun autre d'ouvert.
Je vais regarder vite fait au fond ce qu'il y a là-bas. Des fois qu'il y a un truc, mais après tous les autres chalets, je pense qu'on peut rien y faire. Ça a l'air inutile et il y a une clôture qui ferme derrière chaque chalet, genre on peut pas y aller. Enfin, pas une clôture, mais il y a des arbres toujours ou des trucs. Ouais, là-bas, je pense qu'il y a un truc à découvrir. Genre, carrément, il y a des escaliers, une petite maison reculée et tout. Peut-être qu'on va trouver une indication. Ah. J'ai la nuque en vrac, les gars. Ok, il n'y a personne, il n'y a rien. Ça m'a l'air bien fermé, hein. Je pense qu'on vient pour rien, mais vas-y, on teste. Personne ne peut pas courir. Bah, je sais pas, j'ai testé tous les boutons, il se passe rien. Ok, il semblerait-il qu'on puisse rentrer ici. Bah, je regarde quoi, je fais quoi là ? Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. Quoi, c'est tout ? Le corbeau, il veut pas nous donner un indice, un truc là ? Je sens qu'il est pas là pour rien, le corbeau. Ah mais il est plus là. Hé ! Arrête ça ! Ok, je peux rien faire de spécial. Là, y a rien. Bah mec, mais ça servait à quoi ce truc ? De toute façon, je peux remonter du coup, vu qu'il n'y a plus le corbeau. Et je sais pas, faire un truc avec le merdier sur le côté. Je teste. Il y a une tronçonneuse. Non, mais ok, il n'y a rien de spécial. Je me casse, hein, les gars. Je me casse de là. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit, honnêtement. C'est quoi le jeu, l'histoire ? Un petit effort quand même. Elle a un sac Pikachu ? Ah non, c'est un sac chauve-souris. J'ai cru que c'était un sac Pikachu, mais genre en noir. Quand tu vois à droite là, je croyais qu'il y avait juste la queue du Pikachu qui sortait de son sac. Il est beau le jeu, ouais, le jeu est trop beau. Par contre, le fait qu'on puisse pas courir, c'est relou, genre. Trace ! Genre j'essaie d'appuyer sur des boutons pour qu'ils courent, mais je vous jure on peut pas, c'est trop frustrant. Il y avait une radio, ouais j'ai vu, il y a une radio et une tronçonneuse. Allez on se casse. T'as tout ça pour ça, mais au moins on sait où il y a une radio et une tronce. Si jamais il y a besoin, par la suite on verra. Prête à y aller ? La pauvre elle attend depuis 8 heures elle. Enthousiaste, allons-y. Allons-y. Elle est stylée, je l'aime bien. Abigail, là, j'aime bien. Abigail. Je sais pas comment on dit son pseudo, j'aurais tendance à dire Abigail, mais ça s'écrit bizarrement. Ce trou paumé. Non, parce que ton con de mec a empêché la voiture de démarrer. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir qui tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essayes pas vraiment. On va se planter, là. J'oublie tout le temps qu'il faut jamais lâcher la manette quand on fait des QTE. Enfin, des jeux avec des QTE. La trouille. Merci Crystal, merci beaucoup. Hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... Elle a pas la tête de quelqu'un de connu, en fait, celle de gauche, elle me dit quelque chose, moi aussi. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça ? T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp ?
Bah ouais, hein. Belvédère ou retour au chalet. Vas-y, vas-y, on va à la Belvédère, on va se balader. Yes. Ok, c'est quoi le triomphe? Moi, je fais plaisir à ma copine. Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Oh, mais c'est une star, c'est une tiktokeuse. Bienveillante. Tu sais quoi? Je veux bien te croire. Abby, est-ce que c'était un compliment? Ton charme est contagieux, qu'est-ce que j'y peux? Je pourrais te suivre. Bah j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La Sainte Trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Tu vois, je pouvais pas lui refuser une balade au Belvédère. Quoi préféré? On s'entend trop bien. Le feu de camp? Allez, non, on s'abonne, on like, les amis. N'oubliez pas la Sainte Trinité. On s'abonne, on like et on utilise son Prime. C'est hyper important. C'est de la fumée? Oh non, il y a le feu à la Belvédère, j'aurais dû rester au chalet. Aux autres il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais, oui. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Oui, non, oui, 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 allez, on rentre. Je sais, bon, je le sens pas, la fumée, là. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick. Putain, ma nuque, bordel, j'ai trop mal, les gars. Pareil. J'essaie de m'étirer et tout, mais ça change rien. Allez, on se casse. N'allons pas voir. Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça fait peur. Oh là là. C'est quoi cette merde encore? J'ai peur. Je sens qu'on va descendre, il va se passer une dinguerie. Jacob, compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne à de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. Jacob, il est trop cringe. Le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de... Oula, c'est chelou, ça. Oh, Burk. Ouais. Comment ça, tirer du jus à Monsieur H? C'est quoi cette histoire? Hé, hey, Nick. Eh, où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Oh non, pourquoi elle est méchante avec nous? Parce que moi, ça me dérange elle pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Oh mais attends, c'est une conspiration là. C'est Girl Power à mort, il s'est passé quoi? Cool. Coup de coude? Bah non. Je vais pas lui mettre un coup de coude. Ah, je l'ai fait quand même. Abby, tu veux que... Ah ouais. Ok, j'avais rien compris. Ok, j'avais rien compris, c'est bon. Merci. On les a fait se rapprocher à la fin. Bon, heureusement que j'ai cliqué par hasard. Enfin, par hasard. Je me comprends. Quelqu'un sait où est Ryan? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir hyper sexy et mystérieux. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est celui qui écoutait les podcasts. En train de te toucher. Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je peux le prouver. Un podcast, ouais, c'est cool. Merci Foxy, merci pour les 8 mois. Occupe-toi de ton cul. Amical, je veux pas qu'il y ait de Discord pour le moment. Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, en toute modestie, oui. Qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais pas mal. Au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Pas mal. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. Ah. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est qui, la folle de Hackett's Quarry? Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry?
C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Bah, on a vu le feu là-bas, elle non ? Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Ok, bonne ambiance. Les gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ok, bonne ambiance. De vous tuer. Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squarry. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Bienveillant. Bienveillant. Pour le moment, je veux le moins de discorde possible dans le groupe. J'ai peur que ça se barre en couille. Ça autour du feu de camp, il les a traumatisés. Sans déconner. Monsieur H, ouais, je crois que c'est le directeur du camp, mais je suis pas sûr. Pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là? Ah ben voilà, ça doit être lui, Monsieur H. Ouais, ben on y va, Monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le camp d'ici. Ils ont diminué ses yeux sur un truc de création de perso, là. La ferme. Il a des petits yeux, il est défoncé. À nous impressionner avec ces histoires de fantômes. Attends, c'est toi? Des fantômes. Attends, mais c'est H pour héroïne, là. C'est un héroïnomane, il est défoncé. Des fantômes. C'est vous qui avez la clé, Monsieur H? Oh putain, ouais, des fantômes. Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hey, Monsieur H. Ouais, c'est ultra bien fait, c'est vraiment abusément bien fait. Que je me branche quelque part? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Pas de soucis, pas de soucis. Cool, cool, ok. Pas de soucis. Pas de soucis, je veux le moins de problèmes possible, les gars. Le moins de problèmes possible, vraiment. T'inquiète, je te filerai un écouteur. Oh, voilà, super, parfait, tout le monde est cool. De toute façon, on n'est pas prêt de partir vu que j'ai pété la bagnole. Mais bref, ça, ils le savent pas encore. Au moins, on a eu la présentation de tous les personnages, là. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Je suis pas viré, au moins. Ok, Monsieur H, c'est Chris. Non, c'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec... Va déclarer un incendie à la Belvédère. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Ok. Oh, pardon. Allô ? Espionner. J'espionne, j'espionne. Jeunes. Je sais pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Non, je devrais? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Oh bordel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bien sûr. Adios. Mais on va même pas partir. Vite, cache-toi. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Chris est déçu par vous. Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous... Mais quelle idée de rester derrière la porte? Bien. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Il est con ou quoi? T'entends les pas qui viennent? Bah va un peu plus loin. Qui fait ça? Oh, je vous écoutais pas, le premier je truc qu'il dit. Merci Nodila. À retrouver les clés. Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais? Oh, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre... laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. C'est vrai, Ryan. Est-ce que tout va bien? C'est très important pour moi. Est-ce que tout va bien?
Vous êtes sûr que ça va? Il a pas l'air d'aller. Un rencard ce soir. Bon sang. Si tu savais. Les gars, ma théorie, il a passé un pacte avec une bête. Bon, et il donne à manger les enfants. C'est pas vrai. T'es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Ouais, ça paraît un peu logique. S'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Je me rendais pas compte. Vas-y, attends, je veux pas le décevoir. Pardon, plus. J'avais pas réalisé. On va le brosser dans le sens du poil. C'est si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Mais si, c'est ouais. Un jeu à choix, Nina. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok? C'est le même créateur que House of Ashes. On chante plus Kumbaya, c'est ça. C'est comment c'est, il s'appelle The Truc Until Dawn et tout ça? Mon dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Mais à l'abri, pourquoi? 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 Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Putain, il sait quelque chose, lui. Il sait quelque chose. Donne-moi une minute. Putain, on a piraté la voiture au pire moment, nous, hein. Nom de Dieu, mais où sont ces clés? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. DJ Caleb, j'y ai pensé tout à l'heure, focus. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. DJ! Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. Caleb! J'ai ouvert le van. Tiens, il veut à tout prix qu'on se barre. Je suis monté dans le bureau. Il veut à tout prix qu'on se barre vite, je le sens pas du tout. Bah, elles sont là, voilà, c'est bon. Hop. Là où je les avais laissées. Ah. Allez, en route. Pourquoi il réagit comme ça? Les clés, c'est top. C'est tip top. Le rire grave gêné, ouais, vraiment. Prêt à partir. Et pas d'excuses. C'est Caleb, pas Caleb. C'est ça le jeu de mots, Taco. Taco de sous moche. T'aurais dû t'appeler Taco de sous con. Comment t'as fait pour récupérer ton portable avant que je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre. Désolé, avant de désolé. Le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre. Allez, le let's go de vos. On se casse, on se casse. Allez, en route. On se casse. Oh, le fumier. Désolé, désolé. C'est quoi le problème? Ah. Bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a. Remets ton truc dans le moteur, arrête de faire le con. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est. Il est genre HS. D'accord, laisse-moi. Oh faire. Non. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Bah, tout ça pour une amourette. Bah, peut-être que tu t'y prends. On va tous crever pour une amourette. Tu me cherches ou quoi? Assez. Arrêtez tous les deux. Merde. Allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Ah, il faut que ça démarre. Bon sang. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe? Il est trop tendu. Il se trame un truc. Oh là 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 là. Non, c'est pas les créateurs de Détroit. Bon ben, écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On a qu'à passer la nuit ici? Non. Non. Non, arrête. Je réfléchis. Oh bordel. Il est trop en panique, ça sent vraiment la couille là. Ah
Ils se disent pas qu'il a un souci, là, le poteau. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Hé, hey, Ryan. Viens ici une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris ? Ouais, il se passe il y a une couille. Ok. Ouais, c'est trop bizarre. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Oui. Oui, je vais rester, oui. C'est bon, c'est promis. Oui, 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 d'accord, allez. Ouais. Ok. Personne de. Pardon, désolé, je vous souffle dessus, un truc sur mon micro. Bon gars. Ferme les portes. Il est bizarre. Ah, je pense qu'il sait qu'il va se passer une dinguerie. Hein. Pas de bruit. Histoire de fantôme qui prend les gens et tout, je pense que c'est pas vraiment un fantôme, mais qu'il y a en effet quelqu'un qui vient servir. Hein. Sinon, si vraiment ça craignait à ce point-là, il nous laissait sa caisse à lui, quoi. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. Il y en a qui vont défier l'autorité et qui vont sortir, je le jure. Oh, c'est trop un bof, Jacob. C'est une blague. Emma. On est censé faire quoi ? Ah, il est trop con. Ben, on devrait rentrer, faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer jusqu'à demain. Ouais. Ou... Eh voilà, il va se faire chier. Ou on pourrait faire complètement autre chose. On suit les instructions de Chris. Non, 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 pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. Si, 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 c'est notre patron, c'est notre patron. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Oh franchement, putain, mais on fait la teuf à l'intérieur. Ok, ok, ok. Non. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh non, 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 non. On peut dire non ? Oh mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Oh là là ! Évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Mais ouais, non, faites ta teuf à l'intérieur, putain ! Un feu de camp à l'intérieur, on s'en fout. Ouais, je te suis. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Monsieur Kate avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Il avait l'air de flipper. Il avait l'air de flipper. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Oui, exact. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Non, ouais. Non, 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 non. Je lâcherai pas, j'en ai rien à foutre qu'ils aillent tous crever sans moi. C'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir... Le groupe commence à se lasser de Ryan. Oh là là. Quelqu'un doit se monter responsable. Ouais, bah au moins, je suis responsable. Voilà, bien dit. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Oh là là, Jacob, ta gueule ! Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. Oh là 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 là. Et voilà, on se fait viser au sniper. Putain, je savais que ça puait du cul. Mais ils sont encore là en train de se branler dehors. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Bah, what the fuck, c'est quoi cette merde ? Y a le titan cuirassé qui est couvert de sang. Et y a un sniper. Oh.
Mais qu'est-ce qui branle? Ça se trouve, ils s'équipent juste pour aller faire de la chasse. Mais depuis quand on se couvre de sang pour faire de la chasse? Oui, c'est tout à fait Carl de Détroit Become Human. Mais je l'aimais mieux dans Détroit, je sais pas pourquoi. Et c'est la saison de la chasse qui est ouverte. Putain, c'est la merde. C'est fini, on va se faire dézinguer. N'hésitez pas à utiliser vos subprimes, les gars. Là, c'est la dernière fois que vous pouvez le faire. Après, on va tous crever. On va se prendre des balles de snipe de Carl, je vous le dis. Oh non, on n'a rien trouvé. J'espérais bien vous revoir. Elle va pas nous aider. Voyons ce que vous avez. Ah, j'ai un corbeau. Vos mains sont vides. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Mais j'avais pas de carte là! Trouvez-les, je vous prie. Non. J'ai tout fouillé, elle peut toujours pas m'aider, c'est la merde. Vous devriez partir. Non. Il est encore tôt et la demande nuit à ton corbeau. Haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Mais j'ai fouillé, Lolo! Prenez soin de vous tous. Et essayez de trouver mes cartes. Merci Nel pour le prime, merci mille fois. T'as bien fait. De toute façon, là, autant claquer sa thune, on est tous finis. On va tous se faire tuer par le papy au sniper. Chapitre 2, action ou vérité. Action, restez dans le chalet. On est là, coincé dans les contrées sauvages. Il n'y a pas de raison encore. Devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça. J'y suis presque, ok? Merci beaucoup, Ashcore. Merci et mille fois pour le sub, bienvenue. Merci beaucoup, vraiment. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Allez, enfoncez la porte. Non. Non, je veux qu'elle puisse se fermer. On le laisse Mais regarde. Let's go, je suis un vrai petit génie. Voilà. J'ai pas enfoncé la porte, on pourra la fermer au moins. Oh là là, je crois que j'ai clutch. Alors, pas mal, hein. Je pense que j'ai été trop fort, chat. Joueuse, faut pas se séparer. Eh ben, tout le monde m'appelle l'homme aux doigts de fée. Non, c'est faux. Ok, bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Au frigo. Bip, bip, bip. Qu'est-ce qu'il est relou, Jacob? Qu'est-ce que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Elle a bien raison. Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Wow, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Je sens qu'il y a une arme là-dedans. Il nous faut le code. Merci Lulu, merci beaucoup. Merci mille fois pour le soutien, c'est adorable. Elle a des petits airs d'Emma Watson parfois, je trouve. Je sais très bien que c'est pas elle, hein. Mais là, il y avait un petit air, je trouvais. Oh, mortel. Oh, jackpot. Mate un peu mes grosses pastèques. Oh. Tiens. Tu découpes un pot dedans. Mm-hmm. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais... Tu peux aussi
Je vois. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. J'étais où le mec qui a dit je lapine ça, je sais pas quoi. Cringe. T'es un cringeur. Prends 10 minutes. Putain, mais trouve tes cartes. Attends, c'est ça les cartes? Arum Scarum? C'est une carte. C'est une carte, je le jure. Indice découvert. Achetez vos tickets, spectacle. Voyons, c'est mon. Dites-moi, c'est ça une carte ou pas? Non, ok, yes. Je regarde partout si je veux une carte. Merci, chat. Qui achète cette merde? Ça, c'est une bonne question, par contre. C'est vraiment de la merde pour le coup. Ok. Est-ce que quand il y a une carte, il y a un truc blanc comme ça avec marqué A à côté, les gars, ou pas? Salut, les gars. Trop bien. Elle va le prendre pour faire peur à l'autre. Effrayer Jacob. Non, je laisse les accessoires. Je devrais peut-être le lâcher un peu. Ouais, je vais pas lui faire peur. S'il s'enfuit et tout, ou je sais pas quoi, et on va se retrouver tout seul dans la merde, c'est non. Là, je vais essayer de réfléchir comme il faut pour protéger le groupe le plus possible. C'est bon, à chaque fois que je fais un jeu du style, je tue tout le monde. Là, on va essayer de faire les choses bien. Ah non, il n'y a pas. Ok, ok. Vas-y donc, je prends le temps de regarder partout alors. Pas regarder s'il est là le mec. Et là y a rien, c'est de la bière. Ok, vas-y, je me cache, je retourne là-bas. Mec, c'est l'endroit parfait pour mettre une carte ça. C'est de là où je viens, ça? Non, ça, j'ai vu. Je teste là. En fait, j'ai peur d'aller dans le bureau là-bas et que ça me bloque et que je puisse plus aller fouiller nulle part. J'ai cru que c'était un truc par terre. Non, mais y a rien non plus, hein. Ah. À moins que... Ah bah non, ça me remet au même endroit que celui de base. Y'a rien là, je suis au début. Putain, il m'a fait peur le con. Je retourne au bout. Y'a rien du tout. Je me demande ce que c'est. Fermé. Appeler Jacob ou enfoncer la porte? Vas-y, viens Jacob, comme ça on reste Jacob ensemble. Le plus possible. Viens, j'ai peur. Par là. Oh. C'est parti. Porte. Accroche-toi, parce que tu vas bientôt nous laisser passer. Ouais. Wow. Il y avait pas un truc sur la table après la porte? Bah, j'ai pas fait gaffe en tout cas. Je regarderai au retour si jamais on peut y repasser. Tu mets
m'étonne qu'il ferme la porte à clé. Ah, c'est plein de bouffe là. Si on pille son stock. Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre de la survie ou. T'es pas d'accord? J'avoue. Ouais. Bah ouais, on a rien à manger en vrai. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas. Sinon la porte se fermera. Eh, hey, tu bouges pas. Interdit de bouger. Oh. Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum. Je vais jeter un œil. Ouais, vas-y. Il va nous enfermer? Ou juste mater notre cul? Oh, cool! Ah oui, oui, ah voilà. Oui! Qu'est-ce qu'il y a? On prend! Un fusil! Oh, cool! Et un. Oh, c'est le code du truc! 7739! Garde, 7739! Doucement, calme-toi. Ok. C'est bon. Ouais, prends le fusil. Super, très bonne initiative, je suis très content. Ok, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ok, carton vide. Là-dedans, peut-être. Jacob ! Hé, hey, regarde ça ! Quoi ? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Oh, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors... Viens, c'est bon. C'est les traces d'un ours ? Ouais, c'était bien griffé le merdier, là. Allez, on se casse. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein ? Ouais. Pour les ours. D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Oh, je suis tellement content d'avoir un fusil. Attendez, je vais repasser dans le truc, voir si je vois quelque chose sur la table ou quoi. Mais non, je crois pas avoir vu quelque chose. 7739, c'était, je me rappelle plus. Ou 38. Putain. 7739, on va voir. Là, y a rien, là. Non, c'est des vêtements. On voit tellement mal. Je sais pas, je vois rien, moi. D'accord. 7739. Ah bah, y'a pas besoin de s'en rappeler, elle le fait toute seule, je crois. Bingo. Eh, hey, c'est pas mal. Kero, qui a spoil? J'ai pas vu le message, mais qui a spoil? Dis au modo, balance, qu'on le banne def. Y'a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non. Emma. Feu d'artifice. Eh, tu sais quoi? Je les prends, ça pourra nous servir de feu de détresse. Tu sais quoi? T'as raison. Je les prends pour faire feu de détresse, allez, pas feu d'artifice. Ouais, si à un moment j'ai le choix de faire des feux d'artifice, je mets non. Je les prends juste pour appeler de l'aide si jamais j'ai besoin, genre. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière. Ouais, ils troués par un ours, hein. Ils étaient carrément explosés, les trucs. J'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh, stop. Tu penses quoi du jeu pour l'instant? Aucune idée, c'est de la mise en place là de l'histoire, donc dur à dire. Oh, mais je pense que ça va être bien, c'est rarement nul les jeux comme ça. Des putains de peanut butter butter pops. C'est quoi des butter pops? C'est pour les gamins. Vas-y, attendri. C'est quoi des butter pops? Non. Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Papa peanut butter butter pops. Ça, j'aurais jamais dû demander. Ça fond dans la bouche. Pop. J'aurais jamais dû demander. Sérieux, c'est juste le. Il est ravagé lui hein. De tous les temps. Il est ravagé vraiment. Un genre de popcorn. Ouais, c'est un cringe lord, un vrai de vrai. Non, ça a rien à voir. C'est un truc à part, une sorte de sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi? J'en ai pas mangé depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet. Oui, c'est vraiment le cringe en personne. Oh, ça se conserve. Oh non, le paquet a 20 ans, non, c'est ça. Tu sais, ils les avancent, les dates de péremption. Bah. Mais si, tu vas les adorer. Bah. Oh, sérieux. Ok. Bon.
J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là? Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette? Voilà. Ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Elle va pas lui dire qu'on dit une brouette? Je pensais à une prouette. Après, il est bizarre, madame, lui. Merci. C'est quoi cette histoire de prouette? Par où? Génial! Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ouais, ça. Ouais, je me demande s'ils ont pas juste mal traduit. Et chargé. Mais vu qu'elle l'a fait répéter, c'est bizarre quand même. Des podcasts. Ouais. Ok. Amical, je veux pas d'embrouille avec personne. C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment? Enquête paranormale. Et c'est sur les fantômes? En fait, ouais, c'est des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et ils parlent de phénomènes, ben, paranormaux. Parano? Pigé? Parano? Oh là là, mais ils sont tous nuls! Clown. Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ouais, ben on va fouiller, on va avoir besoin de trucs pour se défendre, je pense. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher? Ah, Monsieur H, il est cool, je sais. Je pense qu'on va trouver une dinguerie, là. Je l'ai toujours trouvé cool. Et pourquoi il y a un fusil? Chris... Prends-le. Monsieur H m'a dit... Prends-le. Prenez toutes les armes. On va faire une fête ce soir, on sera tous armés jusqu'aux dents, ça me va très bien. Ouais, il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est armé. Merci Tétouz pour les 14 mois, merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Ouais. Merci mille fois pour tout. C'est vraiment vous gérez trop en ce moment, c'est incroyable. Et si on en a besoin? Je suis sérieux. Hey, et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une situation où on serait en danger de mort? Genre quand des gens chassent d'autres gens? Ouais. Allez, prends. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Ok, je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Oui, allez, on prend l'arme. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Non, oui. Et pour se marrer. Non? Ok. Ouais, t'as raison. Oh non. Bon, ben, on sait où est le fusil, en cas de besoin. Je sens qu'à un moment, on va voir un truc bouger, il y aura un choix tirer ou pas tirer, et il faudra voter sur pas tirer, parce que sinon, en fait, le truc qui bouge, c'est un de nos amis. Les gars, je le sens, je viens de voir dans le futur, là. Je m'attends à un truc comme ça, du coup, j'ai peur, je ferai attention. Oui, Ryan n'est plus responsable. C'est quoi, ça? T'entends ça? Il y a un truc caché là-dessous. Est-ce que c'est une trappe? Oui, ouvre la trappe, mon ref. Ça mène au sous-sol. Ouais, je pense que ça mène au sous-sol. Oh. Mais pourquoi Monsieur H aurait une trappe secrète dans son bureau qui mène vers le sous-sol? C'était peut-être là avant que ce soit son bureau. Il a au moins 3 minutes. C'est ultra lent. N'as-tu patience? C'est normal dans ce style de jeu, c'est comme si tu regardais un film, faut pas considérer que tu joues à un jeu vidéo. Ouais, ou c'est une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Ouais, ou pour le stockage. Ouvre-la, on verra.
Wow. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond. Donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde. C'est énorme, c'est quoi cette merde? Tu l'as ouverte, tu descends. Est-ce qu'on va voir ou pas? Les gars, on va voir ou pas? Je pense pas que le danger il soit dans la maison en vrai, vas-y, j'y vais. Genre le danger serait pas dans la maison maintenant. J'y vais pour voir s'il y a des trucs qui peuvent nous être utiles pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, Ryan, tu quoi? Vas jamais me croire. Quoi? Il y a que dalle. C'est une cave, j'en étais sûr. T'y as cru à fond. Ah, c'est l'accès de l'autre côté. Non. Peut-être. Ah, ferme-la. Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc, Ouais, ok, je vais remonter. Allez, on a vu, on remonte. Oh non, non, non. Ok. On sait que ça va céder à un moment. Faut s'en rappeler. Oh, mate le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Ça se trouve, on n'aurait pas dû descendre et du coup, le truc se serait pas pété. Mais bon, on pouvait pas savoir. Joueur en méprisant. Joueur. Dring, dring, dring. Oh, excuse-moi. Il faut que je prenne cet appel. Bonjour, Colo de Hackett's Quarry, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H? Merci Hamburger pour le prime, merci beaucoup. Ouais. Merci mille fois. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa avec Dylan. Et... pardon? Vous voulez qu'il donne son numéro à Dylan? Ça, c'est un peu direct. Mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Allez. Allez, allez, allez. Merci mille fois, Hamburger, pour le prime. C'est adorable, vraiment. Je sais plus si je vous ai dit, mais avec ma chérie, en ce moment, on regarde pour peut-être acheter une maison et tout. C'est vraiment grâce à vous, hein. Enfin bon, grâce aussi à moi, parce que je stream beaucoup, je travaille et tout, mais ça fait plaisir. C'est l'évolution de tout ça. Hein, une étape de plus, ouais, je suis trop content. Les deux qui sont jamais venus. Du coup, merci pour ça. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. J'ai pas assez fouillé là, j'ai juste ouvert une trappe, il y avait plein d'autres trucs à regarder dans le bureau. Ah ok, je peux encore. Ok, photo de famille, Osef. On s'en branle. Et Caleb Hackett. Trop bien, bon après faut qu'on trouve la maison les gars, hein. Patience. Ils mais sont bon. Chelous, non? En tout cas on peut. Je les aime bien. Imagine t'as quelqu'un qui remercie son patron pour lui donner des sous alors qu'il travaille, tu sais. Là c'est pas vraiment pareil pas parce que sociable, vous, merci Darkiz. Vous, si du jour au lendemain tout le monde arrête de me soutenir, bah j'ai plus rien, tu vois. C'est pas vraiment pareil. C'est donnant donnant. Enfin, remarque, tu me diras dans un taf aussi, mais je sais pas, je trouve que c'est différent. Waouh, mat l'antiquité. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi? Voir s'il fonctionne. Non, je vais pas être méchant. Je veux surtout pas être méchant. Pour te demander de sortir avec moi, hein? Habile. Mais je crois que si j'appelais un portable avec ça, le truc exploserait. Allô? Oui? Quoi? Y'a quelqu'un? What the fuck? Allô? Il va croire qu'on me fait une farce? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Oh. T'aurais peut-être dû lui proposer un rencard? Ah putain, j'y ai pas pensé. Mais attends, il y avait marqué Ryan semble intéressé, on est amoureux tous les deux là? Prends le flingue. Dis-moi comment on peut le prendre. Eh, hey, touche pas au fusil, mec. Il y avait une voix d'horreur. Dylan, qu'est-ce que tu fous, merde? Laisse-moi prendre ce putain de fusil. J'avais juste envie de voir ce que ça faisait d'en tenir un. Je t'ai dit deux fois de pas y toucher. Ouais, pardon. Arrête ça. J'ai envie de le prendre. Mais j'ai peur que si je continue, il pète un câble. Ou alors qu'il finisse par me laisser. Je tente une dernière. Purée, zéro homophobie dans le chat, je suis choqué. Bah, encore heureux, on n'est plus au Moyen-Âge, là c'est bon, laissez les gens tranquilles. Ok, on peut plus. Je voulais retenter, mais y a rien. Les alors portables, peut-être ils sont...
Tu veux que je les encourage? Allez-y, les gars, vous allez y arriver. Non, ça marche pas. Ouais, bizarre, hein. Attendre. Ok. Les gars, je crois que j'ai tout fouillé, là. Alors, tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré? Fac ou... Rien de sûr. Oh, je vois. Une copine? Pas vraiment. Un copain? Sans attache. Cool, ouais. Pareil. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'électricité dans l'air, je vous le dis. Les portables, ils vont pas se recharger en deux secondes. Laisser encore un peu. Bah oui, on reviendra plus tard, c'est pas grave, c'est pas encore la nuit. D'accord. Allez, allez, c'est bon. Mais quand est-ce qu'on se casse? Ok, il y a la porte, attends, je revérifie bien. Ouais, ça, je peux vraiment pas le prendre. Là, il y a rien. Je regarde tout. Afficher le texte. Ok, ça c'est les gens qui travaillent ici, quoi. Ok, bon, on s'en fout. C'est un truc de taf. Ok, il y a R. Bah si, bah je pense qu'on peut se casser, les gars. Je me casse. Eh, hey, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Y'en a, vous êtes des moyens à juste jouer. Tant mieux, c'est parfait. C'est parfait, qui se montre, comme ça on les dégage et on est heureux tous ensemble. C'est vraiment parfait, genre. Curieux, je te jure. J'aime bien faire des baits comme ça parfois. Parfois tu fais des baits volontaires, même sur Twitter je le fais aussi parfois. Et j'attends un peu, je vois les réponses, je banne tous les gens qui répondent des trucs où je me dis que pour moi c'est des mentalités que j'accepte pas. Et après je supprime mon tweet comme si de rien n'était. Sur plein de trucs comme ça, c'est okay. C'est mon petit truc. Je le fais pas regretter. C'est ma petite technique. Ça je peux pas le promettre. Et là c'est franc. Ça veut pas le bureau, ça. J'ai déjà fouillé le bureau, André. Ah. Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, il y a... Hey. Ah, c'est quoi, c'est juste un foot. What the fuck? Ouais, ça par contre, c'est chelou. Ryan, qui a ça chez lui? Wow, c'est quoi ce délire? Sur les écrans, là. T'as réussi tous les QTE? Ben, je l'ouvrais pas de QTE si c'est des QTE au joystick, hein. H nous espionne? Non. Parce que haut, bas, gauche, droite, c'est tellement plus facile que A, B, X, Y quand tu sais pas où sont les touches. Différents sentiers dans les bois autour du camp. Parce que moi, ce qui fait que j'arrive pas à faire les QTE d'habitude, c'est pas que j'ai pas les réflexes, c'est que je connais pas la manette et du coup, je clique sur les mauvais boutons. Les caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois. En fait, c'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras? Je crois qu'on les installe pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Peut-être qu'il écoute le même podcast. Je savais pas que Monsieur H... Merci, Maëlys. Ce truc. Merde, il écoute peut-être le même podcast que toi. C'est son hobby secret, sans doute. Ouais, un hobby de luxe. Bah, en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, j'imagine qu'on se sent vite seul au camp une fois que tout le monde est parti. Ouais. Ok, mais pourquoi... Moi, je pense clairement qu'il se protège de quelque chose, hein. Cette pièce, avec une porte secrète dans le placard. Bah... C'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt caché derrière des trucs. C'est totalement secret, ouais, c'est totalement une porte secrète. Secret. C'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec, c'est super chaud. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas, et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Je suis vraiment pas sûr, moi. Ok, ouais, on verra ça. Je suis vraiment pas sûr qu'il se fasse un plaisir de répondre.
sort du repère secret. A plus. Hé, hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. C'est quand même vraiment bizarre tout ça, là. Mais c'est un streamer ou quoi? Il a un SM7B de chour et tout. Yo les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour espionner la forêt. Ok, y'a rien. Y'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pour le moment, on voit rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait des cartes ou quoi que ce soit. Attends, les outils? Ah non, c'est des... Ok, ok. Ah. Ok. Merci Marie! Merci beaucoup pour le sub! Merci mille fois. On s'approche lentement mais sûrement du live Just Dance. Faut vite que je m'organise avec Thomas. Même si je pense que on devrait passer entre les mailles du filet. Ça commence quand même à sentir pas si bon. Merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Je re-regarde. J'ai peur qu'il se passe un truc. Vas-y, y'a rien en vrai. Je me casse. Le live des légumes, c'est quand? Je sais pas encore, faut qu'on voit avec Thomas, mais d'abord on va faire le live burger. Et le live légumes, on a réfléchi. Merci Fouette pour le prime. Et je pense qu'on va essayer de faire des recettes, surtout, pour lui faire aimer les légumes. C'est genre en mode pas faire goûter les légumes crus ou cuisiner vite fait ou quoi. Mais on va vraiment essayer de faire des trucs, tu sais, comme tu ferais pour des plats pour des enfants qui aiment pas les légumes. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une bolognaise, dedans, tu caches des courgettes d'une certaine façon, ce genre de truc, tu vois, plutôt. Pour pas qu'il soit dégoûté, je pense, voilà, Yoshi. Je peux rien prendre. Les gars, je trouve pas de carte de la voyante. Genre, pourtant, je fouille partout, là. Tum 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 tum. J'ai envie de faire de la guitare là, ça, c'est le fait qu'il gratte et que ça fasse ce bruit, ça m'a donné envie de faire de la guitare. Je vous le jure. Mais y'a rien par contre, pourquoi on m'a mis là? Là y'a R. Vas-y, bah je me barre hein. Les portables ils doivent être chargés là. Cool. Chargé. Ma mère faisait du chili avec des courgettes râpées dedans. Les courgettes, tu peux les râper dans tout, ça disparaît. Ça disparaît en deux secondes. Allez à la fête. Hey, c'est bon ça. En vrai, y'avait rien. Cool, je crois que j'ai tout cherché là. Je crois vraiment que j'ai tout cherché, chat. Chargé à 28%, franchement, c'est mieux que rien. Moi, 28%, je tiens 10 jours avec mon téléphone. 10 jours, j'abuse, mais bref, en vrai, je tiens longtemps. Merci Victoire pour le sub offert à Dynamique, c'est trop gentil. Merci mille fois. Ah. Mesdames et messieurs, contre toute attente, le train de l'Hyper entre en gare pour la deuxième fois, voie 7 aujourd'hui. Le train de l'Hyper entre en gare, voie 7. Attention à la marche en train dans le train. Nous rappelons que chaque voyageur doit obligatoirement être accompagné d'un ami. Il est impossible de rentrer seul dans le train de l'Hyper et du bonheur. Merci à tous pour le soutien. Comme d'habitude, vous savez que je vous aime. La bise. Connaissez-vous Twitch Prime? Bref. Allez, ça part. On va à la fête. Dommage qu'on n'ait pas la tronçonneuse de Monsieur H. Bah on sait où aller. C'est un coin très agréable quand les enfants... On sait où aller, la tronçonneuse. Merci pour les envies d'une chaise, merci pour les envies de focus. Ouais. Les boss, merci pour le soutien. Ils ont l'air attentifs pendant ton cours. 37 subs des 3200 subs. C'est incroyable, merci chat. Juste en passant. Le cabanon des armes n'est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui passait pas loin. Ça va se pécho, là. Tu veux qu'on aille où? Je vous le dis. Je te laisse choisir. Merci Morgane, bienvenue à toi. Merci mille fois. Ah, Rocky Road ou Shady Glade? Je sais pas ce que c'est. Shady Glade, il y a du soleil. Allons par là. Merci pour les 200 bits, Ashcore, merci mille fois. Mon dieu, est-ce que ça va? Ah ça va, il a glissé sur deux mètres.
Descends, je te rattrape. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux, eux. Le chat est gentil aujourd'hui, on a toujours des chats gentils. Ça arrive jamais qu'on ait un chat méchant. Quand on a des débiles, on les dégage quoi, mais on est ici, on a de la chance. On a une bonne petite commu qui s'entend bien. Merci Mathieu pour le sub, merci beaucoup, bienvenue. Une blague sur les artistes. T'as renouvelé le sub offert par Mani. Très drôle. Ah ouais? Ouais. Je te l'ai dit. Vas-y. Merci Albin. Visage souriant. D'accord. Écoute ça. Pourquoi le peintre le plus rapide du monde est-il toujours célibataire? Parce qu'il peint vite? Je sais pas. Parce qu'il finit toujours en un coup. Oh là là, putain, c'est éclaté. C'est éclaté. C'est pas plutôt pour les golfeurs, rapport au nombre de coups? Ouais, peut-être. J'en sais rien. Oh là là. Jacob la tient certainement de ses campeurs. Ça m'étonnerait pas. Ces gamins sont de vrais pervers. Putain, j'ai eu peur, ça m'a tendu. Un oiseau. Pas de panique. Ça m'a tendu de fou. Je suis désolée, c'est juste... Je suis un peu à cran, c'est tout. C'est pas grave, Abigail, t'inquiète pas, on t'en veut pas. Moi aussi, je suis un peu à cran. Tiens ta manette, oui, c'est vrai. Curieux, pourquoi? Rassurant. On est là pour pécho. Hey, fais pas attention. C'est juste la forêt qui te joue des tours. Ouais, bien dit. J'allais souvent camper avec mon père et je croyais voir et entendre des trucs bizarres, mais en fait, c'est la nature qui fait sa life. Attends, tu dis life? Non, c'est encore un coup de la forêt. Merci, Walia. Merci mille fois. C'est plutôt cool si t'as l'esprit assez ouvert. C'est trop bien de camper. Faut avoir l'esprit ouvert pour aimer camper? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut renoncer à ton petit confort. Notamment le confort. Ouais. Tu devrais vraiment tenter le coup. On pourrait le faire ensemble. Si tu veux. Let's go, dis oui. Dis oui, mais tout le monde est amoureux dans ce truc, en fait. On verra si on... Merci Dark pour les 100 bits, c'est adorable. Ouais. Merci mille fois. Allez, viens, on se casse. C'est trop beau, les gars, le jeu. Vraiment, c'est vraiment joli, je trouve. Merci Kata, ben ça c'est incroyable par contre le nombre de le soutien qu'il y a. Merci beaucoup chat. Merci mille fois. Oui, c'est du même type que Little Hope. Merci Crimson for the Prime. Oh, je crois que je sais où on est. Hein? Par ici. Tiens, prends ça. Ok. Grand sourire. Il y a quelqu'un qui va passer derrière ou quoi? Il va se passer un truc là. Cette vue est juste. Elle va dessiner, elle dessine trop bien. Dessine-moi ou sincère, t'as du talent. Nous, on est gentils. Merde, Abby. T'es super douée. Bah oui, Kaby. Non. Il est aveugle ou quoi? Bien sûr qu'elle est super douée. Je dis pas ça pour... C'est sommaire, mais si j'arrive à capturer des trucs, je m'en souviendrai mieux plus tard. C'est cool que tu te connaisses aussi bien. Mais attends, mais... Ouais. Si, tu le dis. Attends, désolé, ça va peut-être mettre sur pause le jeu. On sait pas tous de quoi on est capable, tu vois. Je suis sûr que t'es très compétent, Nick. Ouais, sans doute. Seulement... Pour faire quoi? Il a pas confiance en lui, le bonhomme. Tu le découvriras. T'as déjà fait Life is Strange? Ouais, j'ai adoré Archibald, il est incroyable. T'as entendu? C'était un bruit de canard, ça. Bon, ça, c'est pas un canard, par contre. Non, écoute, il y a quelque chose. C'est un sanglier, c'est bon. Hier. Oh! Regarde! Attends, par contre, ça, c'est dangereux. Hein. Quand il y a le bébé, c'est qu'il y a la maman. Oh non, elle va le tripoter. Non, touche pas! Oh là 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 là, ça y est, c'est les problèmes. Mon Dieu, il est trop... Non! Lâche-le! La maman va arriver, tu vas te faire charger!
Attends. Attends. Ça se trouve, la maman sauver Abby. Clic. Pourquoi clic? Ah. Bien sûr que je sauve Abby. Je voyais clic souris, j'ai cru qu'il y avait un problème là. Conseil de sécurité, retenir votre souffle. Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Ok. C'est bon, j'ai retenu. Attention. On fait le mort. Expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. Donc là, on fait le mort. Allez, on a retenu le souffle, c'est bon, on a géré, ça va. Elle est partie. Oh non. Il y avait quelqu'un derrière là, non? Amusez. Ok. Amusez, on va surtout pas s'embrouiller avec elle. Hein? Je pensais que tu me dessinerais en train d'embrasser un porc. Ah, j'ai tout mémorisé. T'as lâché trop tôt? Bah, je sais pas, non, il y avait... Quand j'ai lâché, quand l'animal, il est parti, quoi. Il y avait marqué quand l'animal est parti, je sais pas quoi. C'était pas ça qu'il fallait faire? T'as foiré, ils me disent. Attends, moi, je sais pas, j'ai vu que l'animal était parti, j'ai lâché, quoi. Faut attendre qu'il parte plus loin. Ok, ok, j'avais peur de mourir asphyxié, honnêtement, mais bon. On devrait peut-être rentrer. Ouais, la maman, normalement, elle aurait dû piétiner, je pense, hein. Il va se passer un truc. On a un spot du feu de camp. Là où on n'aurait jamais dû aller. Je récupère enfin mon portable et je peux rien faire avec. Utiliser ça pour regarder. Oh là, c'est une belle photo, j'aime bien. Attends, je regarde partout des fois qu'il y a un truc à découvrir ou quoi. Vas-y, je prends une... Oh. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un. Vas-y, je prends une belle photo, hein, comme j'aurais fait pour moi. Hop là. Là, elle est magnifique. Ça, c'est de la pure photo, je vous le dis. Zoom, zoom. Ah, merde. Eh hey, Kathleen, j'avais pas vu. Quoi. Monsieur H est un... Ça se trouve, il y avait quelqu'un dans le truc à côté, il que j'ai pris en photo. Il y a partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Minute, quoi? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Oh. Tu trouves ça normal, toi? Bah, il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon, quoi de neuf par ici? Est-ce que tout est prêt? J'ai vu de la lumière dans la cabane. Ah bah c'est ça que je devais voir, je pense. J'ai vu de la lumière dans la cabane. Bah j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ok, j'avais rien vu, hein, je dis la vérité. J'avais absolument rien vu. La folle de Hackett Squarry. Ah, oh, je t'ai dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett Squarry. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett Squarry? C'est fini? Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. T'es longue à la détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance? L'ambiance, la vibe, vous voyez? À propos, c'est pas tout ça, mais... Moi, j'ai du boulot. Ok? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Mais si, qu'est-ce qui me sert de fou? Mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Ouais, elle a mis une belle vibe, en tout cas. Ah, un bête d'ambiance. Ouais,
T'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. Putain, mais le feu, il va tenir 2 minutes 30, là. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça, mais on a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux et il s'est sacrifié. Le porc de la Hackesquarry. J'ai envie de le dire, attends, c'est trop marrant. Oh mon dieu, c'est pas possible. Le porc de Hackesquarry. Croyais que tu détestais ça. L'humour, ça demande des gros. C'est drôle, c'est drôle. J'aime bien, c'est vraiment drôle. Oh, j'aimerais tous vous réduire en petites figurines et vous mettre dans ma poche et vous regarder quand je me sens triste. Oh. D'accord. Elle a cringe. Oh non, ils les font maintenant. Livraison spéciale. Oh, les débiles. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous foutez avec ce fusil? C'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Enfin, si, c'est un vrai fusil. Mais pourquoi ils l'ont fait maintenant, putain? Je pensais que j'aurais le choix. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Et on vous a préparé une petite... Oh, je suis anéanti. Là, c'est bon, maintenant tout le monde va venir à nous, on est mort. Marie a de mieux à vous proposer. Mais on est mort. Arrête. Et ouais, ma poule. T'en as d'autres. Mais je m'en fous. Moi, je voulais juste pas être détecté. Je voulais m'en servir, c'est pour appeler les secours ou quoi, si j'étais vraiment dans la merde. Là, on est foutu. On a juste appelé les méchants, là. Hé, tout doux. On se calme, cow-boy, d'accord? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche. Sérieux. Emma, le fusil, s'il te plaît. Quoi? Tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile. Je veux juste qu'on fasse un petit duel. Non, mec, c'est hors de question, non. Ils vont tirer, ça va encore faire du bruit. Je te laisse pas avec une arme. Voilà, c'est bien. Stop, je vais pas laisser deux débiles comme vous jouer avec une arme. Ouais, non, oui, mais oui. Allez, s'il te plaît, le stand de tir est juste à côté. Non, c'est bon, écoute, c'est bon. Toi et moi. Ils vont gâcher les balles en plus. Je vais à l'ancienne. Premier prix, les peanut butter butter pops. Pour toi tout seul. Mec. En fait, tu les veux pas vraiment, hein? Dis non, putain, il est tout le temps con, lui. Bon, t'as gagné. Ouais, non, mais putain, je laissez-moi faire des choix, putain, j'ai que des choix de merde. J'ai que des choix de merde, rattraper un portable, oui ou non, on s'en fout. Et eux, ils choisissent tout seuls d'aller faire des tirs à l'arme à feu. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Putain. Allez. Et le jeu te laisse le choix. Ils jouent avec l'arme, oui ou non? Tu dis non et ils font. Allez, on y va quand même et ils y vont quand même. Putain, c'est de la merde. S'il te plaît. Non, par pitié, non. D'accord. Mais non. Alors, c'est produit à la l'ancienne. Il y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir. Mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh, ça. Merci Marie pour le sub. Vas-y, ils sont trop cons. On ira les foutre à la poubelle, je m'en fous. Là, s'il y a un tueur en série, les gars, je gâche pas mes balles. Pour les deux boulets, là. C'est trop chiant, c'est trop frustrant. Mais de fou, putain, c'est débile. Ok, bon... Juste pour un... Je suis là, je prépare tout dans ma tête. J'ai un plan, je me dis, vas-y, j'ai les feux d'artifice, ils sont dans le sac à dos. Si j'ai un problème, je tire, ça appelle les pompiers. Mec, ils sont là, ils font tout péter tout seuls, ils tirent à l'arme. Non, c'est bon, y a rien qui va. Faux, j'ai été tireur d'élite. Merci Darobi, c'est gentil. 3 ans d'affilée, classé meilleur du camp à chaque fois, juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter butter pop. Tu rêves. Renonce. J'ai jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je serai au courant si t'es... Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir, on jouera selon mes propres règles et on discute pas, pigé? Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches. En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Merci Focus. Putain, c'est moi ou elle est canon quand elle donne des... Ça marche, Focus, vas-y, j'ai mis pause. Okay, merci. Il a marqué pause, P-O-S-E. Bon bah non, je mets pas pause du coup. Merci Loan pour le prime, merci mille fois. Ce petit tête-à-tête avec Abby dans les bois. C'était pas mal, allez, je vais être optimiste. C'était pas mal. Hey, oh, c'est bon ça. Le pollen, alors, c'est la pire invention de la Terre. Eh ben, on a un peu flirté. Elle est très brillante. Ouais. Ouais. Mais t'as conclu ou pas? Sois pas dégueu. Non, y a pas de souci, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher.
avant qu'un Jacob, ta gueule, je le jure. Les gars, si j'ai le choix entre sauver Jacob ou non, je mets non. À ce propos. Non, je peux pas le laisser mourir parce que c'est un bof. Je retire ce que j'ai dit. Tire son coup. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter? Non, je crois qu'il a une commotion. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Nick d'abord, et Jacob ensuite. Ne mettez le doigt sur la détente qu'une fois prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. Deux choses. Pensez au recul et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez, évidemment. Ah putain, c'est un dictaticelle de combat? Oh bordel de merde! Comment on tire? RT. Super, Nick! Un point, ouais! Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Ok, ok, c'est le tuto, c'est qu'on va avoir besoin d'armes plus tard. Allez, Nick! On rigole plus! Joli tir! Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Je suis un pro, moi. Je vais lui montrer que je suis un pro. Comme ça, si on a le choix, c'est moi qui vais devoir avoir l'arme tout le temps. Je veux rien laisser à Jacob. Il est trop instable. Un point pour Nick. Bien joué, Nick. Allez. Montre-nous ce que tu vaux. Yo les gars, salut ceux qui arrivent. Ok, vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexes. C'est bon, ça va. Allez, j'ai loupé aucune cible, tu peux pas me faire complexer. Oh, je croyais que t'étais un super tireur d'élite. Ouais, avec un vrai fusil. Hey, mec, fais attention là. Hey, bah, il est con ou quoi lui? Tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Hey. Ok, disqualifié pour avoir joué au con. Quoi, mais non. Bah si. Quel boulet. Chanson des Butter Pops, allez, il va se faire foutre. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Hein? Pop, pop, peanut butter, butter pops. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bam. Qui a dit que c'était fini? La vache. Wow. J'en étais sûr, ça se voyait, elle parlait trop des armes et tout. Pop, pop, peanut butter. Elle parlait comme une pro. Recul, dispersion. Elle était au taquet, ça se voyait.